Toi qui réalises des films, qu'est-ce que tu penses du monde du cinéma? Enfin, t'as essayé de te faire distribuer ou tu t'en bats les couilles? Non, non. Alors, le monde du cinéma, oui, si ça marche pour toi, t'adores parce que tout le monde est super cool. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie, c'est insupportable, en fait. Trop d'hypocrisie? Mais non, mais attends, alors je vais te dire le genre. Parce que Gaspard Noé, voilà, Gaspard Noé pour son film Love. Love, attends, ouais. Il voulait que je joue dedans. Alors, j'ai pas vu le film. Il y avait un galeriste. Non, mais pour dire le mec, pourtant lui, tu vas me dire, ah, Gaspard Noé, attends, le style. Le mec, il me fait venir pour me faire. Moi, j'ai pas demandé à faire un casting, mais il me dit qu'il a un rôle pour moi. Moi, je viens, tu parles, j'ai bien envie de jouer. Tu vois, ça va me faire du fric et je me dis, je vais faire les conneries. Comment du fric, comme tu dis, dans Irrécupérable. Il me fait, tu peux baiser devant une caméra? Et ça te dérange, il y a un travelot qui t'encule, ça? Moi, je dis, c'est ok. Ouais, je m'en fous, moi. Ça me fait marrer. Je lui dis, ça sera plus facile que si c'est moi qui dois l'enculer, parce que moi j'ai du mal à bander quand je dois bander, donc j'ai débandé, donc si je le content. Et après le mec, le cinéma c'est un bon d'encul. En fait, le mec il me filme et tout, il me fait répéter avec l'autre américain là. Il y avait une scène, je sais pas si c'est dans le film, le galeriste drague sa copine et puis... T'as vu le film dans tête? Ouais, j'ai vu Love, j'ai vu Love. Est-ce qu'il y a une scène où le mec est dans la galerie, c'est un galeriste et il y a... Eh ben c'est Gaspard Noé. Mais c'est Gaspard Noé lui-même. Qui fait le mec? Ouais, qui fait le galeriste, qui baisse la meuf. Bon bah alors voilà, bah alors tu vois, on est dans l'ultime dans l'enculé quoi. Il me fait ça, non mais écoute le mec, il me dit ouais super, tu fais ça, tiens parle-lui là pour t'entraîner en anglais, parce que tout est en anglais, parle-lui, ils prennent mes jours de rendez-vous, mes mesures, les costumes, tel jour, ils me font ça quoi. Je rentre chez moi, tout est faux. Et après, j'arrive, je comprends pas ce qui se passe, moi. Parce que moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie aussi. Il n'y a pas que... D'accord, je suis d'accord pour le mettre en priorité, mais si c'est annulé, j'ai plus de nouvelles. Le jour arrive. Je reste chez moi à la campagne, je viens, je fais quoi? Ça, c'est le style de ces mecs-là. Et après, il me dit... X choses. Pas directement, faut passer par une entre... Jamais ils te diront non, ces gens-là. Ils me donnent... Non, c'est un mec que tu connais, moi. C'est un mec que je connais, mais c'est... Tu connais bien Gaspard Noé? Tu le connais bien? Je le connais, ouais, parce qu'il est déjà venu dans des concerts, enfin, tu vois, parce qu'il a acheté beaucoup de musique underground, il s'intéresse aux vidéos underground, donc il a regardé mes trucs, tu vois, parce qu'il s'intéresse à tout, en vidéo, il connaît tout, parce qu'il est super bon, hein, il est super bon, parce qu'il sait ce qu'il fait, hein, le gars. Mais tu vois, les manières de ce business-là, c'est on te prend, on te flatte, on te dit oui, mais là, j'avais capté qu'il y avait un truc, c'est qu'ils n'avaient pas parlé de thunes. Mais c'est quand même bizarre. Tu t'es dit, c'est louche. Bah ouais, c'est louche. Ils te font signer un papier, bah ils ont envie que tu sois là, ils te disent que tu veux avoir tes 1000 euros. Bah ouais, sinon. Parce que c'est lui qui serait plus emmerdé si je n'en ai pas. Donc ils te font un contrat quand même, tu vois. Attends, après, c'était la nuit ça. Il me dit, continue, regarde le tournage avec nous pour être dans l'ambiance. Tout ça, j'étais pas pris en fait. Enfin, faut arrêter. Je loupe mon train pour la campagne. Le soir, je dis, je commence à sentir un truc bizarre, mais je savais pas, il me disait toujours oui. Pour dormir. Un hôtel, quelque chose? Rien. Tu te retrouves dehors. Le mec ne paye aucun frais, quoi. Bah non, là, il a décidé dans sa tête, mais il t'a pas dit. Quelque chose est en train de se passer. Oh, s'il voulait me garder, moi. Alors, attends, une situation de merde comme ça, t'aimes ça, ce milieu-là? Moi, j'aime pas ça. Tout ça, ouais, c'est génial. C'est génial. Mais donc, Dupont, tu penses que Gaspard Noé, c'est un enculé, quoi? Non, mais c'est pas correct. Les manières sont pas correctes. En musique, ça se passe pas comme ça, quoi. C'est quand même... Le mec, il... C'est pas comme ça, Enfin, je sais pas, bon, évidemment, on est tous hypocrites, on se flatte tous, mais pas à des niveaux comme ça, où t'as tout le monde qui dit que t'es génial, que le rush, t'es génial. En fait, ils se servent de moi pour servir de casting. Après, ils me font dire qu'ils ont trouvé un autre acteur qui convient mieux, d'accord? Mais c'était lui-même. J'apprends que maintenant... Jean-Louis, tu m'as choqué. Tu t'es habillé sur... Ah ouais, je sais, ouais. Attends, je vais me déshabiller. Mais tu t'imagines? Le mec, il m'a fait, ouais, j'ai trouvé une autre personne qui a plus, qui est plus du milieu, art et tout, c'était lui-même. Mais tu le connaissais. Mais tu crois que j'entends ça? C'est juste à l'instant que j'entends ça alors comment on m'a sorti. Mais qu'est-ce qui a besoin de me sortir de ces conneries? T'avais déjà joué avec lui dans Irréversible. T'avais déjà joué avec lui dans Irréversible. Irréversible, ils ont pris, c'est comme aussi dans le film de trucs. C'est parce qu'à ce moment-là, il y avait un peu de presse sur moi. J'avais un bouquin chez Fayard, C'était grand-père, c'était quoi? Enfin bon, à ce moment, j'avais une certaine situation underground. Ils cherchent à mettre un maître underground dans le... Ah ouais, merci. Ils cherchent à mettre un maître underground dans le truc pour une petite caution underground. D'ailleurs, tu me vois dans Irréversible, bois-le si tu veux. Non, mais Irréversible, t'es le pote du Tania, c'est ça? Mais moi, je me vois même pas dans le film moi-même. Mais moi, j'ai surtout lu ton article qui m'a fait vraiment kiffer. Attends, et l'autre? Dupontel, vous voulez pas me toucher la main? Ouais, j'ai vu Albert Dupontel. Il vient pas à la scène. Tu regardes le film. Cassel-Cassoulet. Il revient. Mais quoi, tu vois le mec? Quand, attends.
Et je vais te dire, quand même, le milieu cinéma, il y a un truc qui déconne. Bon, quand il y a une scène de bagarre, comme moi avec Cassel, il met des baffes, tout ça, il y a des gens qui font attention que ça se passe pas mal. Normalement, c'est pour tout le monde. Si moi, je mets une baffe à Cassel, tout de suite, le mec, il me retenait, attention, pas là. Bon, c'est normal, ça. Mais quand Cassel me mettait une tarte, moi, je la prenais en pleine gueule. Hein. Et le mec qui était là pour faire le drive, le coach, un spécialiste de combat, il n'était pas payé pour moi. Il disait rien. Attends, ils m'ont fait faire 12 fois la... Non, mais imagine-toi qu'on a fait 15 fois la scène, j'ai pris 15 fois des coups de pied dans le cul. Non, mais attends. Prends 15 fois des... un an après. Quoi. T'as compris, ouais. Tu commences à avoir des problèmes maintenant. Et l'autre gars en face, tu lui mets un... Tu fais ça, tout de suite, le mec t'arrête. Attention, on vous vire. Non, mais c'est quoi le délire? Oui, ils ont raison. Mais il faut repenser. Il n'y a pas que... Et lui, quand il se couche par terre, il y a un oreiller qui est mis à un cachet. Quand il est genre un killer, pas possible, de chevalier et tout, il leur faut un petit oreiller. Si tu fais ça avec de l'eau pour leur faire de la sueur, du Pontel, pour qu'il ait... Alors tout le monde prend de la sueur, de la fausse eau pour faire croire que la sueur c'est un sauna. C'était dans un sauna. Et l'autre il fait ah non. Non, 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 mais pas d'eau moi, ça chatouille. Après ils rajoutent l'eau en numérique sur les gars comme ça. Et les autres ils se font arroser. Bah, c'est pas désagréable, hein, c'est une petite bombe. Ah, attends, c'est foireux.